C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Donc c'est très simple. Le reportage s'intitule Vantard présente les classiques du rap français. Donc on va aller à la rencontre des rappeurs. Donc il y a des challengers, il y a des rookies, il y aura des vétérans. Et on va en savoir un peu plus sur l'histoire de ces fameux morceaux cultes, emblématiques. Connaître l'histoire des morceaux, qui était à la prod, qui a clippé le morceau, quelle est l'histoire de ce morceau, et ainsi de suite. Donc voilà, suivez-moi, ça commence dès maintenant. C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Et aujourd'hui, ça me fait super plaisir. On reçoit un jeune artiste comorien de 26 ans, car Vantard est également comorien. Artiste talentueux, artiste prolifique, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont découvert Sultan juste avec son premier album, mais il a une grosse discographie et j'insiste bien là-dessus. Renseigne-toi, check Wikipédia. Et avant le premier album Des jours meilleurs qui est arrivé dans les bacs et qui est toujours disponible, il a sorti à peu près 9 projets. Donc il y a eu des mixtapes, des EP, des street albums, des albums de collectif. Donc le monsieur a une très très grosse discographie. Il est dans le game depuis 97. Et on va en savoir un peu plus sur un morceau emblématique de sa discographie. Donc, alors, ma première question est la suivante. Bon, déjà, comment vas-tu, Sultan? Ça va au top. Ok, ça revient du Maroc, t'as passé des bonnes Ouais, vacances, tout ça? lourd, lourd. Bonnes vacances. Ok. Donc, on va parler du fameux morceau qui s'intitule 4 étoiles. On me consulte comme un docteur, pourtant je suis padré. Je suis validé par la foulée, comme pire du padré. Souvent on tombe, la solution c'est pas d'être plâtré. C'est quand ça tourne pas rond que l'État veut nous encadrer. Mon rap a toutes ces raisons qui vont te causer du tort. Quand je rappe c'est trop profond, un peu comme ça je gore. L'État fait mon compte, aucune misto ne fera mes poches. J'suis déjà trop loin et c'est pour ça que j'ai très peu d'amis proches. Je peux mon pas laisser tomber. Mon sur mon front, c'est mon bled. Le monde sera à toi quand t'auras coupé ma tête. 4 étoiles plus moi, ça fait 5, t'inquiète. Bagneux n'est pas loin de VUTRY. Seuls les vrais peuvent m'approcher. Seul temps va ricocher. On a pété une case et la street l'a accroché. Donc c'était le premier extrait des jours meilleurs que tu as clippé Exactement. au Brésil. Ma première question est la suivante. Qu'est-ce que ça t'a fait justement de collaborer avec Mr. RYHDZF, le padré du rap game? Et est-ce que pour toi, au-delà d'avoir collaboré avec lui, c'était une reconnaissance personnelle? Parce que j'imagine qu'il doit être sollicité. Bah c'est sûr, bah déjà avant toute chose, en tant que Comorien, celui qui nous représentait depuis des années, c'était Rof. Donc moi, tu vois, j'étais un peu au début en tant que spectateur et le fait de faire cette collaboration, passer de l'autre côté, déjà pour moi c'était honorable, sachant que il accepte pas beaucoup de featuring, il se mélange pas trop. Donc le fait qu'il accepte ma demande, en fait ça s'est fait naturellement un peu. Parce que juste avant ça, on s'était croisé plusieurs fois, que ce soit dans son Planète Rap pour Au-delà de mes limites. J'avais rappé sur Talent Fâché 3, donc Talent Fâché 3 et Talent Fâché 4, donc on était amené à se croiser, tu vois, plus ou moins. Et au final, voilà, et quand j'ai fait cette demande, bah, il a tout de suite accepté. Donc voilà. Et le studio s'est bien passé, méthode de travail, tout Bah, ça j'ai et pu tout. voir en fait que bah, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, Ousni, c'est celui qui travaille le plus. Tu vois, parce que quand, en fait, lui, pour expliquer l'histoire du morceau, en fait, je suis venu au studio, je lui ai ramené, on va dire, une vingtaine de prods. Il a écouté, il écoutait, non, 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 il a tout refusé. Il a dit, reviens me voir avec d'autres prods. Donc je suis parti voir Erize, DJ Erize, il m'a passé 5 prods. Je suis retourné à Foulek, je lui ai fait écouter. Dès qu'il a entendu cet instru,
Il y a le yaourt du refrain qui est venu direct, tu vois. Dès qu'il a écouté la prod, il a commencé à chantonner. J'ai dit, ah ouais. Là, déjà, rien que ça, ça m'a mis la pression. Donc, moi, je suis allé de mon côté, j'ai commencé à gratter. J'ai commencé à gratter mes couplets. On est allé en studio. Il a, pour écrire les paroles du refrain, il a pris 3 heures. Tu te rends compte, 3 heures pour un 8 mesures. Okay. Pour dire déjà à quel point il se prend la tête. Tu vois, il c'est était... un perfectionniste. Ah ouais, de ouf. Tu vois. Donc après, moi, j'ai fait mes couplets. Ce jour-là, j'ai pas réussi à les faire parce que ma voix, elle était trop morte. Okay. J'avais la voix cassée, tu vois. Donc de là, il a fait le refrain. On a laissé ça comme ça pendant plusieurs jours. Et un jour, un matin, je me suis réveillé. J'avais... Je me suis dit, il faut le finir. Ce morceau-là, il faut le finir. Donc je suis parti en studio. J'ai pris le studio de mon côté. Et j'ai fait ces 2 couplets. Donc je l'ai envoyé. Il a écouté les couplets. À la base, il ne devait pas faire de couplets, lui. Il devait faire que le refrain. En écoutant mes couplets, il s'est dit... Ça lui met la pression. Voilà, il s'est dit, il manque un truc, tu vois. Donc de là, il a fait le 3e couplet. Voilà. Et sinon, le mix, n'en parlons même pas. On avait commencé le mix, on va dire, un jour à midi. On avait fini vers 5h du matin. Il est arrivé à 5h30. On est resté jusqu'à midi. Il a fait des modifs. Et le soir, on est retourné encore de 18h jusqu'à 6h du matin encore, tu vois, pour dire à quel point vraiment... Ce morceau, il a une grosse histoire. Il a une grosse histoire. Donc oui, en plus d'avoir une grosse discographie depuis 1997, d'avoir un gros parcours en indépendant, j'ai même pas cité les multiples apparitions que tu as fait sur les Talents Fâchés, toutes les compiles, voilà. Donc, le jeune homme a une grosse discographie. Pour en revenir justement à ce morceau, 4 étoiles, tu l'as clippé au Brésil, avec de très belles images, tout ça. Est-ce que tu as des anecdotes particulières sur le tournage au Brésil? Bah déjà, ça a été tourné au Brésil parce que c'était, pour Rof, on va dire, c'était un peu un clin d'œil à sa carrière. Parce que quand il avait le même âge que moi, il avait fait le son qui tue au Brésil. Donc pour lui, voilà, c'était une symbolique. C'était symbolique. Donc voilà, mais sinon ça s'est bien passé, tu vois, on était là. Et c'est là, on va dire, où j'ai le plus appris à connaître Ousni. Le mec, dans un avion, il te fait des séries d'abdos, tu vois, pour dire que... Il est chaud. Que vraiment, il est dans le truc, tu vois. Ça, c'est une putain d'exclu, ça. Il est chaud, tu vois. Donc après, voilà, c'était bon délire. Le tournage, il s'est passé en, on va dire, en 3-4 jours, parce que moi, j'ai clippé un autre son. Donc on est resté 4 jours sur place. Et voilà, on a kiffé, franchement, ça s'est archi bien passé. On est allé dans la favela, dans la Cité Dieu, là où même le film a été tourné, tu vois. Donc pour moi, c'était grave emblématique, tout ce que j'ai vécu là-bas, c'est des trucs que je pense que j'oublierai jamais dans ma vie. Bonne vibe, bon souvenir. T'es fou. Est-ce que tu t'attendais à un tel succès quand t'as balancé le clip? Parce qu'à l'heure où je vous parle, le clip a déjà été visionné plus de 12 millions de fois. Et c'est un des clips de rap français sur YouTube qui a été le plus visionné en France. Est-ce que tu t'attendais à, pas du tout, un carnage comme ça? Sachant qu'il y avait un lien à 10 millions qui a sauté aussi. En plus. Donc en tout et pour tout, le clip a été visionné plus de 20 millions de fois. Franchement, dès qu'on avait envoyé déjà la cover avec l'étoile, avec Sultan, Fitrov, ça a beaucoup parlé. Il y a eu un engouement. Il y a eu pas mal de... Je voyais pas mal de trucs. Ça va être un morceau balourd encore. Tu vois, c'était une période où le rap français, on va dire, il était un peu déçu, un peu essoufflé. C'était bizarre, tu vois. Dès qu'on a envoyé le morceau, je me rappelle, c'était un jeudi. Et le lendemain, c'était la fête de la musique. Parce que j'avais un concert à Épinay. Donc ça devait être le 20 juin, alors. J'avais un concert à Épinay. Et on a envoyé le son et mon téléphone laisse tomber. J'ai jamais eu ça de ma vie. Ils l'ont explosé, ils l'ont saturé. Je me rappelle, Génération, ils l'ont passé en boucle. Dès qu'ils ont eu l'exclu, dans l'heure, ils ont dû le passer 4 fois. Et mon téléphone, il arrêtait pas de sonner. C'est quoi ce truc de ouf? Moi, j'ai dit, ça y est, c'était ce qu'on... En fait, je m'y attendais pas. En ayant le morceau entre les mains, je ne m'attendais pas. Mais dès que le morceau est sorti, ça y est, je savais. Et je savais déjà avec le clip de fou qu'on avait que le lendemain, quand on allait envoyer le clip, ça y est, c'était fini. Donc ouais, gros morceau. Donc maintenant, et il faut rappeler aussi que oui, comme tu l'as dit, c'est DJ E-Rise et Dokness à la prod de ce morceau. Grand big up à eux pour leur taf. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur ton actu immédiate. Donc, tu es présent sur la BO de No Pain No Gain, donc, qui sortira en salle le 11 septembre avec Mark Wahlberg et Dwayne Johnson, The Rock.
Donc le morceau a été clippé. Ouais. Moi-même, j'ai eu la chance et le privilège d'aller à l'avant-première qui se déroulait le 28 août à Opéra. Ils ont passé son clip avant le film. Il y a eu une putain de standing ovation dans la salle et compagnie. Il y a eu d'excellents retours sur ce clip. Donc, comment t'as fait pour te retrouver sur la BO de No Pain No Gain? En fait, j'ai eu la chance d'assister à l'une des avant-premières de ce film qui dans un grand hôtel parisien. Ok. Donc en voyant le clip, je me suis rendu compte le film pardon, je me suis rendu compte que ça collait pas mal avec un morceau que j'avais fait à la base pour mon album. D'accord. Tu vois, donc je serai ce que je suis. Et de là, j'en ai parlé vaguement, on va dire à mes collègues d'Escale Records qui eux sont montés voir Sony et qui ont demandé à contacter Paramount France. Ils ont écouté le morceau, ils l'ont fait sur Allstate. Tout le monde a validé, donc de là ils ont débloqué le truc pour faire le clip, pour faire la promo du film un peu. Donc le morceau s'appelle Je serai ce que je suis. Je serai ce que je suis. Il a été clippé à Marseille. Il y a de très belles images. Si tu l'as pas vu, je t'invite à le découvrir. Ce morceau sera dans ton prochain album? Je pense pas. Peut-être un bonus, peut-être. Mais okay. C'est pour moi maintenant, c'est vraiment un morceau pour le film, quoi. Ok, d'accord. Donc maintenant, dans ton actu immédiate, enfin ton actu bouillante, donc. Ton premier album, Des Jours Meilleurs, est sorti. Il a été très bien accueilli. Actuellement, tu taffes sur ton prochain album. D'ailleurs, le titre est déjà disponible. Condamné à régner. Ouais. Condamné à régner. Ma question est la suivante. Enfin, j'ai deux questions. À quoi on peut s'attendre sur ce deuxième album? Et étant donné que tu as gagné cette année le prix de la meilleure révélation 2013 au premier Trace Urban Music Award, est-ce que ça te met une petite pression particulière ou... Bah, comme j'ai pu le dire à pas mal de médias, le fait d'avoir gagné ce prix-là, ça met une pression, comme tu as pu dire. Tu vois, je sors d'un truc où les gens attendent une confirmation. Okay. Parce que là, pour moi, cet album, c'était, comme on dit, c'était l'album pour... Une carte de visite, ça m'a permis de m'installer. Pour d'autres, c'était le nouveau Sultan, un peu, parce que j'ai pu faire pas mal de... projet avant, et j'ai totalement, on va dire, changé ma couleur musicale, mais c'était plus un choix personnel, tu vois, c'était une évolution, c'est le fait que j'ai, on va dire, je suis plus mature, donc je me prends plus la tête sur ce que je véhicule, sur ce que je peux écrire, mais sur ce deuxième projet-là, sur ce deuxième album, j'ai décidé pour ma part de revenir plus rap, parce que c'était un projet où j'avais besoin de prouver niveau écriture. Pour moi, parce qu'on me disait, ouais, t'as un flow de ouf, mais ton écriture, c'est pas trop ça, tu vois. Donc moi, pour ma part, le rap, je sais pas, j'ai toujours expliqué que le rap, pour moi, c'était trop facile. Tu me demandes un style particulier, je vais réussir à le faire, tu vois. Que ce soit Kaira, que ce soit Conscient, que ce soit Marrant, que ce soit... Dans tous les terrains, je sais m'adapter, tu vois. J'ai toujours eu ce petit truc-là. Donc là, on va dire que les gens m'attendent plus dans le kickage, donc... D'accord. Je vais me faire plaisir. Donc, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y aura des nouveaux concepts, des grosses combinaisons, des grosses prods? On va dire que je vais essayer de surprendre. Okay. Là, on va dire que j'ai fait 5-6 morceaux pour ce projet-là. Et chaque morceau n'a rien à voir les uns des autres, déjà. Donc, ça risque d'être un album assez complet. Mais chaque morceau est fort. C'est ça mon but. Là, j'essaye de... Je ne vais pas être prétentieux de dire de faire un chronique 2001 de Dre, mais c'est mon objectif, c'est la couleur que je cherche un peu, que vraiment chaque morceau soit calibré, que les gens, voilà, ils disent, voilà, il est revenu lourd, il ne nous a pas déçus, et de que voilà, il confirme, voilà. Le statut de... Sous le toit de valider. Ok, d'accord, ça marche. Donc, voilà. Donc, c'était Monsieur Sultan, comme je te l'ai dit, des mecs de sa génération, il n'a que 26 ans, il a énormément de projets dans sa discographie. Donc le premier album est toujours disponible. Il est en train de taffer sur le prochain album. Il y a la BO, le morceau pour la BO de No Pain No Game aussi qui est disponible. Et tu pourras compter sur Sultan aussi dans Capital du Crime volume 4 sûrement. Voilà, et tu pourras compter sur ce jeune homme en 2014, 2015, 2016. Et voilà, c'est un des challengers et des rookies les plus prometteurs de ce rap jeu de merde. Donc voilà. Donc merci Sultan et à plus tard.